Bonjour à tous chers abonnés, spectateurs, aujourd'hui un scénario sur la guerre civile espagnole. Aïe aïe! Alors si on devait résumer cette guerre en un mot, ce serait bordel monstre. Ah ça fait deux mots? Ouais c'est pas grave. Vous expliquer cette guerre en détail relève du cauchemar, tant le nombre de pays, de mouvances politiques et d'acteurs impliqués est élevé. Je dois expliquer quand même? Bon allez c'est parti. Nous sommes donc en Espagne en 1931. Après une période dictatoriale et l'exil du roi d'Espagne Alphonse XIII, la seconde république espagnole est proclamée. A l'époque en Espagne, de très nombreuses mouvances politiques étaient présentes et influentes dans le pays. L'Espagne était extrêmement en retard par rapport aux autres puissances européennes. C'était encore un pays rural qui ne disposait que de peu d'industrie et d'une armée assez médiocre. Donc la seconde république espagnole va survivre tant bien que mal durant les premières années de son existence. Et c'est à l'année 1934, soit un an après l'accession d'Hitler au pouvoir, que ça va commencer à s'empirer petit à petit dans cette république espagnole. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir tout un tas de complots, de manipulations politiques, de manifestations. En vrai, il se passe tout un tas de trucs, mais bon, je vais aller à l'essentiel. En 1936, quelques généraux ont l'excellente idée de tenter un coup d'État, qui va réussir, partiellement, et qui va également séparer le pays en deux, ce qui va marquer le début de la guerre civile. Deux camps s'opposent, les républicains et les nationalistes. Les nationalistes regroupent les conservateurs, les monarchistes, ainsi que plusieurs groupes à caractère fasciste. Les républicains, quant à eux, regroupent tous les éléments qui sont restés fidèles au régime, c'est-à-dire des éléments conservateurs, mais surtout des anarchistes, des socialistes ou même des communistes. Communistes qui prendront d'ailleurs de plus en plus d'influence au fur et à mesure du conflit. Les grandes puissances européennes vont rapidement soutenir l'un ou l'autre des camps. L'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et l'Italie fasciste de Mussolini vont par exemple soutenir le camp nationaliste en envoyant la Légion Condor, une flotte d'avions qui a par exemple perpétré le célèbre massacre de Guernica. La France et l'Angleterre n'osent pas intervenir pour ne pas envenimer les choses avec Adolf Hitler. Ah les cons. Les cons. L'Union soviétique, elle, va soutenir le camp des républicains, en armant surtout ses éléments communistes, mais ils n'osent pas trop en faire non plus pour ménager Adolf Hitler. Aussi. La guerre civile d'Espagne devient rapidement un conflit détourné entre fascisme et communisme. 3 ans et 500 000 morts plus tard, le camp nationaliste gagne la guerre et le général Franco prend la tête du pays, plongeant l'Espagne dans une dictature dont le pays ne sortira qu'en 1975 à la mort du général. Dites-vous bien qu'il y a 40 ans, l'Espagne était encore une dictature. Oui mais là vous allez me dire, ce sont des hispaniques, les hispaniques ça fait tout le temps la révolution. Et si l'issue de cette guerre avait été modifiée, ça n'aurait pas changé grand chose. Eh bien si! Ça aurait changé plein de choses. Ça vous impressionne hein? Dites oui. S'il vous plaît. Le fait est que cette guerre civile était un peu un avant-goût de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, si l'Allemagne et l'Italie envoyaient leurs armes nationalistes, c'était principalement pour tester leur capacité en situation de combat. Et le fait que la France et l'Angleterre n'interviennent que très peu a sûrement conforté Hitler dans l'idée qu'il pourrait faire n'importe quoi en Europe que personne ne réagirait. Et il avait raison. Cette guerre renvoie également à l'éternelle opposition entre le fascisme et le communisme. Bon, à vrai dire, Franco n'était pas vraiment fasciste. Comme beaucoup d'Espagnols à l'époque, il était très croyant. Ce qui par nature l'éloignait par exemple avec le régime nazi d'Adolf Hitler qui était athée. Mais bon, ça restait quand même un dictateur. Bref, tout ça pour arriver au scénario d'aujourd'hui qui est « Et si les républicains avaient gagné la guerre civile espagnole ?» Alors bon, les chances pour que ce soit arrivé sont quand même assez minces. Comme je vous l'ai dit avant, dans le camp républicain, c'est un bordel pas possible. Les communistes ne s'entendaient pas très bien avec les socialistes et les anarchistes. Dans les Pays Basques, il y avait également des nationalistes qui voulaient bien se battre contre Franco, à condition de ne pas sortir de leur région. Ouais, on veut bien se battre contre Franco, mais bon, voilà, oh, faut pas abuser, hein. Il y avait également les brigades internationales. En gros, c'était des gens qui venaient de partout dans le monde pour aider l'un ou l'autre des camps. Le camp républicain souffrait également d'un manque de matériel. Tandis que les Allemands envoyaient leurs derniers avions Messerschmitt aux nationalistes, de leur côté, l'Union soviétique envoyait aux républicains quelques fusils datant de la Première Guerre mondiale. En gros, du vieux matériel, quoi. Néanmoins, les communistes représentaient une grande partie du camp républicain. Et ceux-ci auraient éventuellement pu prendre le pouvoir, faisant de l'Espagne un état communiste. Peu probable, mais amusant à imaginer. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais traiter deux scénarios différents. Dans le premier, le camp républicain gagne et restaure la République espagnole. Et dans le deuxième, les républicains gagnent mais se font dépasser par les communistes qui prennent le contrôle du pays. Et on commence par le premier scénario. Donc en 1939, juste après la victoire du camp républicain, la Troisième République espagnole est proclamée. Le général Franco, battu mais toujours en vie, se réfugie dans les campagnes afin d'y mener une guérilla. Les Français et les Anglais vont bien sûr se rapprocher de cette République espagnole. Rapprochement qui ne sera bien sûr pas très bien vu par Adolf Hitler. Mais bon, la victoire de la République espagnole ne changerait pas grand chose au début de la Seconde Guerre mondiale. Après 3 ans de guerre civile, l'Espagne a bien sûr besoin de se reconstruire. De plus, l'armée espagnole est beaucoup trop faible pour s'engager dans un conflit. Et elle est déjà assez occupée avec la guérilla de Franco et les mouvements séparatistes. Donc quand la Seconde Guerre mondiale se déclenche, la Troisième République espagnole se déclare neutre, tout en priant pour qu'Hitler n'attaque pas leur pays. Ah, naïf.
Après sa victoire contre la France, l'Allemagne aurait très sûrement attaqué cette République espagnole. Dans la réalité, les relations entre Franco et Hitler étaient déjà tumultueuses. Alors imaginez maintenant si Hitler avait une démocratie en face de lui. Il est également possible que l'occupation de l'Espagne se transforme en véritable cauchemar pour l'armée allemande. Cela aurait également ajouté beaucoup plus de territoire à défendre en cas d'attaque des Alliés. Ouais, c'est pas un super deal en fait d'attaquer l'Espagne. Mais il y a au moins un côté positif, ça aurait pu permettre à l'Allemagne d'attaquer Gibraltar, et ainsi de prendre le contrôle de l'entrée de la Méditerranée, ce qui aurait pu grandement limiter le passage des navires alliés. Cela aurait pu par exemple retarder la campagne d'Afrique, et faire d'un débarquement en Espagne la priorité absolue pour les Alliés. La libération de l'Europe aurait donc commencé non pas par la France et l'Italie, mais par l'Espagne. La guerre aurait néanmoins été gagnée par les Alliés, et l'Espagne n'aurait pas eu à subir la dictature de Franco dans les années qui suivent, ce qui aurait pu lui permettre par exemple d'avoir une plus grande influence dans la construction de l'Union Européenne. Passons maintenant au second scénario où l'Espagne passe sous domination communiste. En raison des nombreuses mouvances politiques présentes dans le pays, un régime communiste sur le modèle de l'URSS aurait été très mal accepté par la population. De plus, la France et l'Angleterre auraient été très hostiles à une URSS miniature juste à côté de leurs frontières. Et il n'était pas non plus dans l'intérêt de l'URSS d'avoir un régime stalinien en Espagne. Car à l'époque, l'URSS voulait signer un pacte de non-agression avec Adolf Hitler. Est-ce que ce pacte aurait été signé avec une Espagne communiste? Pas sûr. Quoi qu'il en soit, le régime communiste espagnol aurait sûrement été bien différent du régime communiste soviétique. La plupart des Espagnols étant extrêmement croyants, il aurait donc eu en lui une composante religieuse. Et le pays étant extrêmement affaibli, il aurait dû modérer son discours pour ne pas mécontenter ses voisins un peu trop puissants. Ainsi, l'Espagne ne s'alignera pas systématiquement sur les positions de Moscou. Car à l'époque, le communisme était considéré comme beaucoup plus dangereux que le fascisme. Le nouveau régime espagnol aurait tout de même eu beaucoup de mal à calmer les révoltes. Il est également possible qu'il rentre en conflit perpétuel avec son voisin portugais dirigé par le dictateur Salazar. Ouh, ça fait beaucoup de suppositions comme ça. Tiens, si on faisait une petite pause flamenco pour se détendre un peu. C'était bien, hein ? Allez, on reprend. Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne est beaucoup trop faible pour s'opposer à qui que ce soit. Elle va donc se proclamer neutre. Mais alors qu'il compte attaquer l'Union soviétique en 1941, Hitler n'aurait sûrement pas accepté qu'un autre régime communiste soit présent à ses frontières. Dans ce scénario, l'opération Barbarossa se serait probablement déroulée sur deux fronts, l'Espagne et l'URSS. Cela aurait forcé l'Allemagne à disperser ses troupes sur deux fronts, ce qui aurait limité l'efficacité de l'opération. De plus, même si l'Espagne est défaite en peu de temps, les guérillas républicaines et communistes donneront beaucoup de fil à retordre aux troupes d'occupation allemandes. Sauf que si les alliés débarquent en Espagne, ils ne laisseront absolument pas un régime communiste subsister. Il aurait donc été quasiment impossible que le régime communiste espagnol survive après la guerre mondiale. Et là, on rejoint à peu près le premier scénario. Il faut également prendre en compte que les combats en Espagne auraient peut-être permis de retarder les alliés, permettant à l'Union soviétique de conquérir beaucoup plus de territoire. On pourrait donc imaginer une Allemagne entièrement communiste, et peut-être une France séparée en deux, ce qui aurait complètement changé les rapports de force en Europe. Alors bien sûr, tout ceci ne sont que des suppositions, et je vous invite à mettre en commentaire votre propre version du scénario. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'ai remarqué que depuis que ma chaîne existe, vous m'aviez posé énormément de questions. C'est pourquoi je compte faire une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Je vous invite donc à me poser vos questions dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Posez-moi vraiment n'importe quelle question, je tenterai d'y répondre du mieux que je peux. En attendant, n'hésite pas à me mitrailler de pouces bleus si tu as apprécié la vidéo. Tu peux t'abonner en cliquant sur la danseuse de flamenco en arrière-plan. N'hésite pas à me partager sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et à regarder mes autres vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.